Et moi je suis Gekat, on se reprend sur Legacia les mecs, donc pour une petite présentation, excusez-moi, de serveur. Donc juste, je me fais une petite pub parce que je sais dans les commentaires, il y a plein de gens qui vont me donner ça. Pour tous ceux qui sont venus pour une vidéo sur Vanadia, une vidéo normale en fait, il y a un petit truc en haut à droite qui vient de spawn, donc cliquez là-dessus, il sera une vidéo normale sur Vanadia. Du coup voilà, si vous voulez juste une vraie vidéo, ben cliquez là-dessus. Donc voilà, Legacia, j'avais déjà pub en fait, environ 5 ou 6 mois, mais du coup leur serveur avait jamais ouvert, il y avait plusieurs problèmes en fait. Mais du coup, le serveur va réouvrir, c'est le serveur de Chasseurs de Tulipes et Titux. Il devrait ouvrir samedi à 16h, les factions seront ouvertes, mais les serveurs minages et les lobbies seront ouverts un petit peu avant. Du coup, si vous voulez vous connecter à l'avance, ben c'est bon. Mais sinon, il ouvre à samedi 16h. Ensuite, pour tous ceux qui comptent venir jouer, je fais gagner un grade, le meilleur grade sur ma chaîne YouTube. Du coup, pour participer, c'est pas très compliqué, faut liker, s'abonner et puis commenter vos pseudos. Et à l'ouverture, je devrais faire les résultats du concours. Bref, commençons par la petite présentation. Du coup, moi je pense pas venir jouer, je vais probablement rester sur Vanadia, mais je vais sûrement passer à l'ouverture pour voir un petit peu comment ça se passe. Du coup, ben good luck à eux. Et puis, ben voilà, commençons. Donc, pour les trois nouveaux minerais, il y a le rubis, mithril et l'azurite. L'azurite, c'est le meilleur minerai du serveur que j'ai actuellement. Ensuite, il y a deux autres nouveaux minerais, c'est le sélénite, le draconite, dragonite plutôt. En fait, les deux trucs-là, c'est minable en fait aussi, mais c'est pas directement, on peut pas directement avoir de l'armure. En fait, je vais vous expliquer un petit peu après. Ici, tu as les minerais un peu, donc les minerais de dragonite et de sélénite, que tu peux transformer dans la zone. En fait, il y a une zone de traitement. Ben justement, tu peux les transformer en minerais purs, donc ensuite pouvoir crafter certains items avec. Ici, il y a le hooper légendaire, la machine à farm et la banque d'XP. Banque d'XP, c'est pas très compliqué, c'est une banque à XP, hein, vous êtes pas débile, vous savez ça à quoi. La machine de farm, ça en fait, ça fait pousser les cultures plus rapidement et ça permet de récolter en fait dans un chunk complet, ben pas nécessairement dans un chunk complet, en fait c'est toi-même qui peux améliorer ça, jusqu'à combien ça peut récolter, mais ça permet de récolter automatiquement les items et à les faire pousser plus vite. Et le hooper légendaire, ça permet de récolter tout dans un rayon, en fait, au lieu de que ça soit directement sur l'item, ça récolte tout dans un gros rayon. Et ensuite, ça va, tu peux aussi le relier ça à un coffre en fait, même si le coffre est éloigné comme ici, ce hooper-là, tu peux le relier à ce coffre-là, même s'ils sont éloignés, ça fonctionne. Ensuite, ici, il y a trois nouveaux types de TNT et aussi un canon que je vais vous montrer juste après. Mais en gros, les TNT, il y a TNT Sponge qui permet d'enlever l'eau, TNT légendaire qui permet de retirer, en fait, de remplacer le psy par la cobble. Même si le psy est pétable au bout de 8 coups de TNT, ben, on peut quand même la remplacer avec cette TNT-là. La TNT nucléaire qui fait péter dans un plus grand rayon d'explosion. Donc, ensuite, ici, il y a le petit canon, je peux pas vous montrer ça ici parce que ça va tout péter sinon. Mais en gros, ben, c'est juste un canon TNT préfet, en fait. Donc, au lieu d'en créer un nous-mêmes, ben, ça fait une propulsion de TNT, fait que c'est beaucoup plus simple pour les pillages. Ensuite ici je vais vous laisser lire, mais en gros c'est des nouveaux items, en fait des items légendaires, donc ils ont chacun un effet qui donne, donc faire plus de dégâts, donner l'effet H2 etc. Ici pareil, il y a des nouveaux items, mais par exemple il y a la hache de combat qui permet de se lancer comme un petit peu un tomahawk. Donc en gros ben c'est vraiment Metstoneless, et sont ici ben les deux autres items, ben c'est juste ce que ça fait en fait, c'est écrit. Ici en gros il y aura des shops cachés, donc des markets et des black markets. En gros ben voilà, ils seront cachés dans Warzone et ils vont changer d'endroit assez récemment, assez souvent plutôt. Donc, si vous voulez récupérer certains nouveaux items, donc je pense que le canon il va être dedans par exemple. Des items craftables comme comment s'appelle ça, la chicha par exemple, ça va être là, etc. Donc, un paquet d'items nouveaux que vous allez pouvoir récupérer là-dedans. Mais du coup, ben voilà, il faudra aller chercher dans la Warzone les nouveaux markets. Ensuite, le slash F-Shop, en fait, il y a juste directement le slash F-Shop. Quand tu vas te connecter et créer ta faction sur le serveur, vous aurez le choix entre deux alliances, donc l'alliance pirate ou l'alliance je ne sais plus trop quoi. En gros, ces deux alliances-là, c'est pas très compliqué. Vous serez pas en team, par exemple, tous les gens qui sont pirates seront pas en team dans la Warzone. Ça sera juste utile pour certains events. Donc, en gros, tous les pirates pendant certains events seront ensemble contre l'autre team que j'ai oublié le nom encore une fois. Mais du coup, ben voilà, c'est quand même assez utile de le préciser. Sinon, le slash F shop, en gros, c'est pour soit vendre des items contre de l'expérience de faction. Donc, du coup, ça permet d'avoir masse XP pour sa faction. Ensuite, tu peux acheter des compétences de faction. Il y a de tout, en fait, augmenter les claims, augmenter le nombre de membres, avoir as dans les claims, etc. Quoi, c'est juste, ben, je vous laisse lire de toute façon, mais c'est quand même assez cool comment c'est présenté. Et je pense que ça va rajouter un bon ajout sur les serveurs, en fait. Ben voilà. Ensuite, le slash casino, ici, ils ont vraiment mis tous les types de casino. Donc, vraiment, il y a du jackpot, du roulette, du barman, barman gamble, je sais pas comment ça se dit, mais c'est un barman un petit peu comme à la Kofak, du coin flip, du upgrade, en gros ça permet d'enchanter des items. Bon là j'ai pas d'items enchantés, ben oui le placement ça fonctionne, mais pas ça, ça permet d'enchanter certains items contre de l'argent en fait, et t'as un certain pourcentage de chances que ça de réussite. Ensuite, ici, il y a le radar. En gros, c'est un petit peu comme un slash nir. Donc, si vous faites les droits dessus, ça va donner dans un rayon que vous pouvez améliorer vous-même les joueurs, en fait, qu'il y a dans le rayon. Du coup, ben voilà, c'est quand même assez utile. Ici, il y a les jobs, en fait, qu'on peut avoir juste ici dans l'inventaire. Donc, en soit, pour l'instant, c'est un peu buggé, sans vite être niamien, les trucs. Mais en gros, t'as 5 métiers différents, 5 jobs. Et du coup, ici, tu pourras cliquer sur chaque level. Par exemple, si tu cliques sur le level 10 pour le job chasseur, ça va dire à partir du level 10 que ça débloque le job chasseur. Donc, il y a 5, 10, 15, 20. Ensuite, le high job, ça va t'écrire
écrit comment level up la job. Donc du coup voilà, tu veux sélectionner n'importe quel job, choisis fermier, choisis level 5, ben ça va t'écrire ce qu'il faut, ce que ça débloque à partir du level 5. Ensuite le même principe, il y a les quêtes du serveur, du coup ben voilà, il y a des quêtes journalières, des quêtes à chaque mois, et des quêtes légendaires qui vont apparaître une fois de temps en temps pour gagner des pièces, ben voilà, des pièces, et avec ces pièces là, vous pourrez accéder au marché en fait de quêtes, mais du coup j'y ai pas accès actuellement, mais bon, vous pourrez accéder au marché. Ensuite, si ça c'est les 3 events inédits, en fait il y en a quelques-uns, et en fait il y en a quelques autres, mais pour l'instant c'est les 3 seuls qui ont décidé de présenter pour l'ouverture. Tu as combat instantané, ça vous TP, puis vous, dans une zone en fait, il faudra survivre à des vagues de mobs. Ensuite, la dimension, ça c'est combattre en fait dans une nouvelle dimension, des mobs et avec l'alliance, puis défendre un cristal en fait, puis il faudra aussi attaquer le cristal ennemi. Donc pour ceux qui avaient vu un petit peu sur Alcazia, c'est un petit peu le même principe, mais Alcazia avait jamais sorti la nouveauté, du coup c'est parfait qu'un serveur le fasse pour de vrai en fait. Ensuite, sinon il y a la cathédrale, tous les X temps, ben, il y a une vague de mobs qui se pendent dans la cathédrale, puis on doit tuer et récupérer les loot. Donc en gros, ça c'est 3 events PVE, mais il y a des events PVP, inquiétez-vous pas. Ensuite, ça ici, c'est les 3 nouveaux minerais que j'ai parlé là-bas. En fait, il y a le stuff du héros oublié, il y a le stuff dragonite et le stuff sélénite, je pense. Donc ces 3 stuff-là, en fait, ça a des classes différentes. Donc il y a les classes berserker, c'est écrit bourrin, mais c'est berserker, archer et aventurier, donc ça donne des effets différents. Et puis voilà, quoi, c'est juste écrit là. Ici, les nouveaux items, le chaudron qui pourrait être crafté, plein de nouveaux types de bouffe à manger. Du coup, ben voilà, c'est tout écrit ici. Ça permet, genre, par exemple, donner speed 2 pendant 5 minutes, donner résistance pendant 4 minutes, etc. Ça permet de crafter un paquet de nouveaux types de bouffe. Il y a la chicha ici, en fait, quand tu fais cliquer droit dessus avec par exemple du sucre, ça va donner speed 5, speed 5, qu'est-ce que j'ai dit, pendant speed 2 pendant genre 5-6 minutes. Donc c'est parfait pour les effets de potions, juste avant d'aller PVP, tu recharges tes potions avec ça. Sinon, il y a l'anti-crash coup qui se craft avec 4 psy et l'enclume légendaire qui permet de récupérer, en fait, de réparer les stuff légendaires. Donc juste ici, en fait, ces 3 stuff là vont être réparables dans l'enclume légendaire. Donc voilà, moi j'ai pas mal fait le tour, du coup c'était une petite présentation assez sympathique. Je vous rappelle que je fais gagner le grade roi, et sinon si vous êtes intéressé juste pour voir des vidéos normales en fait sur Vanadia, sur n'importe quel serveur, ben vous pouvez toujours aller voir ma chaîne, du coup, en petite pub. Du coup les mecs, oubliez pas, le serveur ouvre samedi à 16h pour les factions, et les autres serveurs vont ouvrir 2h à l'avance, le lobby et les minages. Du coup si vous êtes intéressé, ben toutes les infos sont dans la description, de toute façon, tout leur site, leur Discord, etc. Donc moi du coup je vous laisse, c'est Kitiat, et puis ben voilà, je vous reprends, ben je vous retrouve dans une autre vidéo. Donc, ciao ciao les jeunes.